La coquille d'œuf n'a pas fini de révéler ses secrets. Des chercheurs de l'Université McGill à Montréal ont récemment percé certains des mystères de sa nanostructure. L'éclosion d'un œuf a quelque chose d'une évasion, minutieusement calculée. Mais comment un poussin d'une quarantaine de grammes peut-il briser une coquille assez solide pour supporter le poids d'une poule? La minuscule dent sur la pointe de son bec lui sert de pic, d'accord. Mais l'évolution a imaginé un autre truc, l'amincissement programmé de la coquille par dissolution, ce qui transforme sa nanostructure. On a regardé avec des microscopes électroniques comment la dissolution arrive au niveau de la nanostructure. L'œuf, au départ, est entouré d'une membrane très fine et souple. C'est sur cette membrane que se forme graduellement la coquille, au contact des minéraux et des protéines. Au fur et à mesure, la coquille s'épaissit. Une fois déposée sur la membrane, les minéraux forment une structure solide qui donne à la coquille toute sa résistance. Quand l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf, il a besoin de calcium pour construire son squelette. Il va le tirer de sa coquille. Il y a une couche de cellules à l'intérieur du membrane de la coquille et ces cellules-là produisent l'acide. L'acide attaque à l'intérieur de la coquille pour faire la dissolution et ça libère du calcium pour le squelette du l'embryon du poulet. À quel point la nanostructure change durant ce processus restait difficile à observer. Les outils existants n'arrivaient pas à couper des tranches fines de la coquille. Le moment où on essaie de faire une coupe mince avec un couteau de diamant, la coquille brise complètement. Pour y arriver, le professeur McKee, la doctorante Dimitra Athanasiadou et leurs collègues vont tirer profit des outils modernes. Ils vont utiliser une sonde ionique focalisée. Elle va permettre de trancher la coquille en couches minces d'environ 80 nanomètres sur toute son épaisseur. C'était un breakthrough. De faire des minces couches d'une coquille, c'est quelque chose de nouveau. De minuscules échantillons seront donc prélevés sur toute l'épaisseur de la coquille. Chacun sera déposé sur un minuscule treillis. Manipulés avec minutie, ils seront examinés à l'aide d'un microscope à force atomique. L'examen de ces fragments va révéler la nanostructure de la coquille, couche par couche. Et vous voyez ici, vers l'extérieur de la coquille, il y a une nanostructure qui est plus petite qu'à l'intérieur de la coquille. Il y a une transition graduelle de la nanostructure à travers la coquille. À l'extérieur, la nanostructure est plus solide, plus compacte, plus tough et plus dure qu'à l'intérieur de la coquille, où la nanostructure est plus large et moins solide et moins compacte. La coquille ainsi affaiblie de l'intérieur devient juste assez mince pour permettre au poussin de la fracturer. On a pu reproduire des nanostructures similaires en laboratoire dans des cristaux de carbonate de calcium grâce à l'action d'une protéine. Une piste à explorer pour les nouveaux nanomatériaux. On peut penser d'une bio-inspiration pour les nouveaux matériaux qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. On peut faire des nanocomposites et des minces couches de nanocomposites qui sont solides, qui sont durs, tough, et ils ont des propriétés uniques. Uniques, en effet. Une armure assez solide pour préserver la vie et assez fragile pour la laisser éclore.